tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un petit bricolage récup. Voilà, on va se faire une petite boîte avec un, quand vous savez, quand vous avez les scotch Tesa ou une autre marque, voilà, il vous reste le rouleau en carton, voilà, vous voyez, c'est Tesa. Donc il vous reste le rouleau comme ça, en carton dur, assez épais. Donc on va récupérer ça pour faire une petite boîte, pour mettre des petites bricoles dedans sur votre bureau, des petits bijoux, ce que vous voulez. Voilà, donc on va le customiser, en faire une boîte, hein, fermée, puisque là, c'est pas fermé. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc on va lui mettre un petit couvercle, un petit fond, on va le décorer et puis voilà. Donc il va me falloir, enfin, si vous le faites, il vous faut donc un rouleau de scotch, donc vide, voilà, un grand comme ça. Des fonds de carton, voilà. Donc moi j'ai pris des chutes de carton que je me sers pour le cartonnage. De la peinture, donc là pour l'instant je vais utiliser de la noire pour faire le fond. Donc vous utilisez celle que vous voulez, hein, la blanche, la noire. Ensuite, je vais utiliser certainement de la cuivrée. Et peut-être, je ne sais pas, je verrai, peut-être de l'argenté, mais bon, je verrai au fur et à mesure. Cutter, pistolet à colle, pinceau, dentelle. Donc je vais certainement utiliser celle-là, c'est les anciennes de chez Action, voilà. Là, un carton plus mou, donc là je vais utiliser avec une boîte à biscotte, voilà. Et puis je sais plus ce qu'il va me falloir d'autre, mais bon, on va voir au fur et à mesure. Si une perle, voilà, pour mettre sur le chapeau. Et puis là, bon, je pense que c'est tout pour l'instant. On va voir au fur et à mesure si j'ai oublié quelque chose. Un crayon. Oui, il me faut un crayon. Voilà. Allez, je vous bascule comme d'habitude. Et je vous montre comment on fait. Voilà. Alors, d'abord, on va lui faire un fond. Donc, on va prendre un bout de carton. Là, moi, c'est du 2 mm. Bon, vous prenez ce que vous voulez. Pas trop fin quand même pour faire le fond. Donc, là, je vais prendre un crayon et je vais marquer le rond. Voilà. Comme ça, voilà ce que vous obtenez. Hein. Bon, là, jusque-là, rien de compliqué. Ce qui devient plus compliqué, c'est de couper le rond. Alors, on va essayer de ne pas se couper les doigts. En suivant bien le trait. C'est là que je me dis que je devrais m'acheter le cutter circulaire. Chaque fois, je vais me l'acheter. Mais bon. J'attends qu'il soit en promo. Bon, une fois que le premier trait est fait, après, ça va tout seul. Pour repasser. Il ne faut pas sortir de son trait. Allez, je vous le mets en rapide parce que sinon vous allez y passer la journée. Hein.
Voilà. Alors, je vais couper ce qui dépasse pour avoir un joli rond. Voilà. Donc là maintenant, on va pouvoir coller notre fond. Voilà. Alors, s'il y a un peu de colle qui dépasse, on frotte comme ça avec son doigt. La colle chaude, ça s'en va assez facilement. Voilà, on a déjà le fond de notre boîte. Maintenant, alors on va reprendre un autre carton. Alors, est-ce que j'ai un plus fin? Ça, c'est du carton mousse. On va voir si ça va bien. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre des côtés. C'est là qu'on va prendre notre boîte. Alors, je fais un petit repère pour voir. Dans ce sens-là, ça va pas. Ah, mince, ma boîte va pas aller. Bon, c'est rien, je ferai en deux fois. C'est rien, on fera en deux fois. Alors, d'abord, je vais remettre droit le carton. Alors, j'avais un cutter, mais il est là. Oh là là! Ça, je mets de côté, ça me servira pour une autre fois.
Voilà. Donc là, je vais faire un rebord de 1,5. Ce sera suffisant. Voilà. Donc je vais en faire un deuxième. Non, c'est avec le cutter qu'il faut que je coupe. Avec le crayon, ça peut pas couper. Voilà, ça me servira une autre fois. Donc, on va le tourner un peu comme ça pour qu'il prenne un peu la forme arrondie. Comme ceci, et ça, on va venir le coller sur le bord tout autour. Alors, pour ça, on va prendre de c'est ça que j'ai oublié de vous montrer du papier craft. Je ne sais pas combien il m'en faut exactement, mais bon. Alors, je vais d'abord mettre de la colle tout autour. Et je vais commencer à coller déjà. Comme ceci. On va en avoir sur votre table, mais c'est pas grave. Voilà. Là, on va regarder ce qui nous manque. Donc, si vous pouvez le faire en une fois, c'est mieux. Hein. Pareil, on va faire pour l'arrondir.
Et on va continuer de coller. Le petit bout qui est resté. Voilà. Et on met l'autre morceau. J'enlève la colle qui est en surplus. Bon, tout ça, ça va être caché après. Hein. Voilà. Et... Donc maintenant, on va renforcer pour pas que ça bouge. En mettant un peu de papier craft avec de l'eau. On va pas en mettre partout, hein. Je vais couper beaucoup, mais on ne va pas en mettre partout. On est plus petit. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va peindre. Ça, c'est en trop. C'est rien, c'est pas perdu. Je vais peindre la boîte en noir. Alors, je vais me servir de ma chute. J'avais des palettes, mais alors où elles sont? C'est mystère et boule de gomme. Non, je ne sais pas. Tant pis. Ah, il est tout neuf celui-là. Ah bah oui, j'ai encore la protection. Et ben voilà, j'en mets partout. Bravo Edith. J'en ai pas mis sur le pull. Non, heureusement.
Super. Ça commence bien. Ah là 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 là. Bon, on rigole pas hein, derrière son écran. Oh là là, quel carnage. Je me sers de la peinture sans remettre le bouchon avant. Alors, j'ai peut-être un autre pinceau, parce que ça, c'est mon pinceau pour faire le cartonnage. Alors, attendez. Je vais en prendre un autre. J'ai plus beaucoup de pinceaux, j'ai fait le tri. Voilà. Alors celui-là est tout neuf. Je crois qu'ils viennent d'Action, ceux-là, je ne sais plus. Allez, on va le mouiller un peu avant. Et on y va. Alors, comme j'ai dit, hein, vous choisissez la couleur que vous voulez, vous, bien sûr. Vous pouvez mettre du blanc, du rose. Là, c'est une couleur de fond. D'abord. Donc ça, c'est de... C'est la peinture acrylique. Donc ça, c'est une activité aussi qu'on peut faire avec les enfants, hein. Bon, ben, les enfants sont pas encore tous ne sont pas partis à l'école, donc voilà, c'est une activité qu'on peut faire avec eux. Bon, sous la surveillance des parents, puisque là on sert d'un pistolet à colle. Donc je vais mettre du noir à l'intérieur aussi. On va essayer de ne plus refaire de bêtises. Elle coule bien, hein, celle-là, la peinture. Mince. J'aurais dû prendre un pot en verre. J'en ai des pots en verre, mais... Je fais en dessous, mais... Il faut que j'attende un peu que ça sèche, donc pour que ça sèche plus vite. Regardez mes mains, je m'en suis foutue partout. Je vais utiliser mon pistolet à embossage. Hop. Allez, attention au bruit. Pendant que ça finit de sécher, là c'est presque sec, on va s'occuper du couvercle. Alors pareil, hop, en noir. Alors, pas trop de souffleur là, parce que je viens de m'apercevoir que la mousse que j'ai utilisée avec le souffleur, ça fait des petites... Oui. Alors, je sais pas si vous allez bien voir à l'écran. Oui, voilà, ici, vous voyez, ça fait une petite soufflette. Donc, pas trop de souffleur. Heureusement, je vais remettre des choses dessus. Alors, d'ailleurs, tant que j'y suis, je voulais faire un truc. Mon crayon.
ma règle. Alors, donc celui-là. Non. Alors, attendez, je cherche un carré. Non. Quelque chose d'un peu plus large. Non. Alors, je vais faire un carré de 5 cm sur 5 pour mettre au-dessus du couvercle pour décorer. Alors, toujours dans mes chutes hein, de carton. Je ne perds pas mes chutes, je garde tout. Bon, sauf quand c'est un truc qui fait 2 mm. Hein, là. Donc ça, ben je vais le coller donc avec la colle chaude. Donc ça, on va le remettre en noir. Hein. Et il y aura le petit bouton, voilà, la petite perle qui viendra ici au milieu. D'ailleurs, que je vais mettre tout de suite, puisque je vais tout peindre en noir. Alors, bien au milieu. Voilà, je vais attendre que la colle prenne, voilà. Et après, il y aura les petites décos. Alors, maintenant que ça c'est sec, on va pouvoir mettre le fond en dessous en noir. Voilà, c'est bien sec. Donc, maintenant, je vais vérifier. Ah, il faut que je remette un peu de peinture sur le couvercle, mais c'est rien, c'est pas grave. Alors, je vais marquer où est-ce que mon couvercle arrive. Voilà, je vais montrer pour voir où est-ce que mon couvercle arrive. Et maintenant, on va faire des petites décos. J'espère que ça va marcher.
Donc ça, je vais attendre que ça sèche. Voilà. Après. Sinon, ça va aller vite à sécher. Hein. J'ai mis ma main sur celui qui est, que je viens de finir. C'est tout chaud. Bon. On va laisser là de côté. Et on va finir de s'occuper du couvercle en attendant. Les fils qui se sont faits entre les deux. Alors, je vais couper un peu ce qui veut dépasser. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc maintenant, on va prendre le bronze. J'aime bien celui-là. Alors celui-là, j'avais acheté... au supermarché, je crois. Vous savez, des fois, ils font des paniers, là, 1 euro, 2 euros, 3 euros. Il y a plein de trucs de loisirs créatifs. J'avais acheté là, je crois. J'avais celui-là, puis un doré, et je crois que j'ai un argenté. Alors, est-ce que c'est bien fini de coller? Donc, je vais reprendre un pinceau. Donc celui-là devra aller. On va le mouiller un peu avant. Et je mets d'abord en peinture ce que j'ai fait avec la colle. Si ça déborde, c'est rien. C'est pas grave. Pas grand chose pour l'instant. Maintenant, je reste la boîte.
Voilà, aller trop fort hein, avec le pinceau, c'est vraiment donner. Faut qu'on continue à voir le noir en dessous. C'est comme si on voulait faire une boîte en métal. Comme ça. Ça fait un peu trompe-œil, un trompe-œil, pardon. Comme si la boîte était en cuivre. Y aller léger. Comme si vous essuyez votre pinceau. Et là, comme ça, vous avez vraiment l'aspect du vrai cuivre. Si vous pensez qu'il n'y en a pas assez à certains endroits, pour l'intérieur, je le laisse noir. Voilà. Par contre, il ne faut pas oublier en dessous. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper du couvercle. Oublié, je vais faire un petit coup sur les arêtes. Voilà, bon, l'intérieur, je ne fais pas. J'en ai plein. Alors, maintenant, je vais utiliser cette dentelle-là. J'espère qu'elle va coller assez.
Bon, déjà, la protection, elle colle. Oh là là. Voilà. Donc après la décoration, vous faites comme vous voulez. Hein. Ça, c'est à votre goût. Voilà déjà. Ok. Voilà ce que ça donne déjà. Je vais pas laisser dessus parce que pour l'instant je veux que ce soit bien bien sec. Alors, j'avais sorti celle-là, mais non. Alors, je vais mettre... c'est où ça? Attendez. Alors, je dois avoir des perles là-bas. Alors, ma colle. Là, maintenant, c'est un jeu de patience. Mais là, bon, je vous dis, hein, vous décorez vraiment comme vous souhaitez.
Bon, je pourrais en mettre sur le côté aussi, mais bon, peut-être. Donc ça correspond à au coin. Voilà. Bon, j'en mets pas plus, c'est pas la peine. Je vais arrêter mon pistolet à colle avant que j'oublie. Oh, voilà. Donc voilà notre petite boîte. Voilà. C'est la façon cuivre. Décorer votre assez simplement. Hein. Donc maintenant, on peut y mettre ce qu'on veut dedans. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aimez. Bon, peut-être que la déco, vous n'aimez pas, hein, mais bon, moi, j'aime bien. Ah, j'ai perdu une perle. Mince, elle n'était pas encore assez collée. Elle est tombée. Mais elle est tombée où? Je ne sais pas. Alors, c'est rien, on va lui remettre. Ah, ben, elle est tombée là. Non, c'est pas celle-là. Ah, attendez. Voilà, j'aurais pas dû y toucher tout de suite, vous voyez. Hop. C'est pas grave. Voilà. Là, maintenant, je vais plus y toucher avant que ce soit bien collé. Donc voilà, ma petite boîte en cuivre. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'était mon petit bricolage du jour. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça a un petit peu changé d'habitude. On se retrouve... hop, je vais vous relever pour vous dire au revoir. On se retrouve rapidement. Là, je vais aller me laver les petites menottes parce que j'en ai partout, partout, partout. On se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses. Et aussi, il va y avoir la fin de la commode cette semaine. Enfin, youpi. Donc, vous verrez la fin de la commode. Et puis, encore plein de choses. Voilà. Donc voilà la petite boîte. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées hein, pour vous faire des petites boîtes avec bah, des rouleaux de scotch. Voilà. Ça a son effet quand même, hein, c'est joli. On peut faire plein d'autres choses. Hein. On peut les décorer avec des fleurs, on peut les décorer avec des dentelles. On peut, voilà. Allez, maintenant je vous laisse. Je vous fais des milliers de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bisous, bisous.